hein, pour petit pays nous, hein, pour nous prendre conscience, comme si nous toutes là, qui des nègres qui dans le secteur privé, qui des nègres qui dans la politique là, ils ont toutes là avec le chef gang. Pour dire, monsieur, déposez les amis. On va payer en chance. Déposer les amis en bay Haïti ti chan sa. Ça qu'a fait là. Bay Haïti li. Parce que ça, si nous aide Haïti jouen ça, c'est plus gros service. Allez, magistrat Guillaume sou ta parlé là. Ka gen zone ça là côte des Acadèl là comme si vous pensez qu'a perdu li. Radio. On dit ta groupe moun ki besoin. Mais gon façon pour retirer moun moun ki là. C'est normal, oui. C'est celle où nous l'emmène, nous quitter mon rentrer là-dedans pour là-dedans. Bon, l'emmène, oui. Parce que dans tout pays, l'emmène, c'est richesse liée. Dans tout pays, l'emmène, c'est richesse liée. Pas qu'un jouet dans ça. Donc, c'est celle là nous gaspiller sa richesse, ça, yo. Nous avons toujours besoin. Mais pas j'en a chassé mon yo là. Pas j'en a couru de mon yo là. Et pas Jean comme si n'a humilié moun yo courir derrière moun yo là. Et pas Jean comme si n'a humilié moun yo dans propre pays yo. N'a humilié moun yo dans propre pays yo. Et hier soir m'a dit on va pendant m'a regarder sanctions yo. Peut-être n'a regarder sanctions. Des sanctions yo. Peut-être n'a regarder sanctions. Nous battons bravo. Il y a des gens qui sont contents, ils disent bon, terrain politique là, a assaini. Je n'ai pas de chance pour me sénateur, je n'ai pas chance pour me député. Mais rappelez, nous ne pouvons pas produire rien. Hein? Et pas dit, je ne dis pas vendre drogue, non? Et pas dit, je ne dis pas financer les bandits, non? Mais nous ne pouvons pas produire rien. Nous ne pouvons pas acheter, nous pas acheter. Et c'est avantage ça. Moun y a sanctionné ou peut-être kage sou nou. Yon a business en da pays ya. Yon a business en da pays ya. En Wissi, les États-Unis tap fermé tout mak li gen la kay li. Poutine nationalise business sa yo. Il vient faire de business Wiss. Ok? Mwen le map di, fo l'État. Parler avec moun yo a sanctionné yo gen bizan de pays a parce que nou gen pays là nan deux dernières années sa yo après l'an mo Jovenel Moïse ou bien depuis sous Jovenel Moïse nou gen pays la créé une bonne classe moyenne qui te gen comme qui pauvre là l'aime dit pauvre nèg la ka toujours gen activité parce que si nèg la gon 100 000 dollars c'est pour le fonctionner avec madame la famille mais l'elle te kon fon geste avec ou business li t'a marché m'bal bon exemple ça m'bavle dit pauvre non pas ça me dit mais l'on bonhomme d'un coup Charles a chanci son nèg qui te kon fon pile zèvre ah oui nan Tibonite. Mais je vous dis, après que toute activité chose à campé, oui. Ouais, il replie dans le pays, lui. Bon, gaz là, pas marché parce que gaz pas passé. Gaz pas arrivé. Moun pas qu'à traverser pour aller dans l'hôtel là. Hein? Chose a toujours mangé chaque jour. Mais regardez quantité moun qui t'a travaillé avec chose à soit dans l'hôtel, soit dans le gaz. Dans tout business qu'elle gagne, yo. Gave l'idée que c'est sous ton seul l'alde, oui. Jodia, bandit, mettez-le dehors. Li pas qu'à faire une activité. Parce que jodia, faut regarder qui sa réalité a. Gede nèg ap sanctionné là, c'est eux-mêmes économiquement que le pays a. Malgré tout mal, yo ka fè Haïti. Mais c'est eux que le pays a. Son bav le fè promotion pour bon goût. Ça m'a voulu faire une promotion pour DIP. Hein? Mais, l'orive, qui peut qu'on t'orive ou pas on produit bon goût, sous ma chère. Qui
côté arrivé ou pour un produit bon goût sur marché. Par contre si on fait, par contre si l'état fait, comment l'état fait? Mais logo nom comme ça, yo sanctionnel, faut l'état chercher comme ça bagaille là. Parce que son nèg qui gagnait ouais blandi, il gagne plus l'activité, yo joue des rangs premier élite yo. Pour mener activité yo. Mais logo nom qui dans toute activité, tout manger pays a dans mes Renault. Les produits bon goût. Mais là, ça, il est sanctionné. On va chercher qu'on ait ça le gain. Angèle, Gary saute parler de un bagage qui pas rentré dans la ligne, et puis il dit le retirer viso. Ça fait. Ok. Moi-même, moi j'étais sénateur de la République pendant 3 ans, pas qu'à l'États-Unis. Parce que il y a des bagages m'a défendre au niveau du Sénat qui pas rentré dans la ligne. Il pas renouvelé visa. Il pas renouvelé visa normalement. Maintenant, c'est pour vous dire que vous avez le droit de comportement comme professeur, ou avez le comportement comme journaliste, ou avez le comportement comme dirigeant de l'État, et que le comportement vous gagnez, hein, il n'est pas entré dans la ligne politique étrangère pays, il a décidé lui-même de la retirer, visa ou pas cal la Kaili. Ça, c'est lui-même. Et c'est droit pour le faire, je le veux. Parce que la Kaili, il a dit, pas rentrer la Kaili. Qui ça nous a comme leçon nous-mêmes? C'est quand est-ce nous-mêmes avons la capacité pour nous dire, des vagabonds qui ont pris le pays, qui ont voyé les âmes venir dans le pays, des vagabonds qui ont fait mercenaires dans le pays, qui jouent, n'a pas dit, porte Haïti a fermé pour eux pour ne pas rentrer ici. Yeah. Là, ils rentrent, est-ce qu'ils n'ont pas arrêté? Le commissaire m'a fait lui, des vagabonds qui sont dans le pays étranger, avec les âmes sous eux, qui sont étrangers, ils prennent eux dans les portes là. Et là, ils prennent eux, ils font prison. Parce que c'est le pays pour nous construire. Moi-même, c'est ça la leçon à tirer. Maintenant, lorsque les États-Unis disent, avec Canada, il y a des évidences. Moi-même, j'attends mon gouvernement. Et c'est là que j'ai des problèmes comme homme d'État, comme professeur, comme citoyen engagé, qui dit c'est en Haïti pour mourir, c'est là pour fouiller mon bâté. Je suis arrivé à un pays qui est capable au moins d'y en mesure pour protéger les ressortissants. Je dis protéger, pas protéger dans. Excusez-moi, non, l'orbeille que l'a fait. Mais, où c'est un citoyen haïtien, un Gary? Lorsque, par exemple, le Canada, la France, les États-Unis, ils ont dit, Gary, c'est un délinquant. Mm-hmm. Premier devoir, l'État, non, c'est demander dossier pour regarder comment ça fait. Est-ce que Gary est un délinquant, effectivement? Si Gary est un délinquant, acte de délinquance que le produit a, les produits en Haïti, c'est pour le gouvernement mettre l'action publique en mouvement contre lui. Un petit moment. Ma vie ça. Scoop. Qui soit comprendre de ministre de justice et le prophète qui écrit autorité qui demande, il dit, il t'a remis dossier, nous, nos sanctionnaires. On dit ça déjà, on dit le publiquement. Oui. Le premier devoir du gouvernement, c'est un. Décider rapide en conseil du gouvernement ou de ministre pour dire casse à yon côté des anciens et des actuels dirigeants de l'État qui et que deux pays occidentaux, pas des moindres, États-Unis et Canada, dit qui n'ont drogue, qui n'ont blanchiment des avoirs, qui n'ont trafic d'armes ou bien n'ont financement de gang, en nous saisi dossier ça, un, par le ministère de la Justice. Mm-hmm. Qui doit écrire à son homologue des affaires étrangères, pour homologue affaires étrangères là, écrit ou bien relé ambassadeur pays sa yo, pour mander yo, l'État ici vle gen yon copie de dossier. Que... Une fois que yon ba yon copie dossier, l'État ici par son exécutif a analysé le pouloué, quel organe saisir avec le dossier. Si en termes de poursuite. En termes de poursuite. Si organe d'enquête l'a saisi, c'est ULCC, c'est si c'est IGC, IGF de préférence, si c'est DCPJ, la connaît qui organe l'a saisi. Et organe saisi, une fois le rapport, ou bien qu'a saisi parquet de Port-au-Prince, saisi parquet de Port-au-Prince comme chef de poursuite pénale, et parquet de Port-au-Prince a saisi cabinet d'instruction pour suivre le dossier. Maintenant, avec les évidences que paysans ont mis au banc, nous, nous capables de garder est-ce que faire c'est des faits qui vrai. Mm-hmm. Et si faire vrai, laisse ça au moins mon gagner une poursuite
pénal dans la juridiction pour l'avancer. Mais même avant de finir, je vais dire que des professeurs. Il y a une précaution pour nous prendre, c'est ne jamais essayer de comprendre et d'accepter pour dire les sanctions prononcées par les pays étrangers, c'est des sanctions qui ont un caractère juridictionnel. Sanctions, ça y est, après, dans papier que le pays a mis dehors, il a dit, sanctions, ça nous prend, yo, yo c'est sanctions, mais il n'y a pas d'objectif pour le punir. Il y a un objectif tout pour faire mounio changer de comportement. Scoop! Donc, quand il dit, attention, ce n'est pas une décision de justice. Moun ça y est capable toujours aller à la justice. Donc, on connaît très bien, ce n'est pas une décision qui atteint l'autorité de la chose souveraine, jugée sans recours, donc capable de faire un recours qui est fait sur yo. Mais je dis, il y a ça, c'est là où on est. Sanction, ça y est utile. Il y a utile dans la mesure où la permet tout vagabond qui te qu'on apprend des âmes dans le pays. Tout vagabond prend des jeunes garçons dans la zone. Pour armer. Pour armer pour des raisons politiques, politiciennes. Parce que, même dit politique, politicienne, parce que Zam ça a tourné contre vous quand même, l'a tué madame, l'a tué petit, l'a tué petit. Tout nèg qui te comprenne, il a détourné la jeunesse pour vous parler des autres. Et bien, il faut qu'on ait aujourd'hui, ce n'est pas seulement les institutions haïtiennes qui ont gardé, les yeux des ambassades amis, les yeux des pays amis ont gardé tout. Donc, l'autre a pensé qu'il a joué impunité sous sol là, et bien, l'on arrive, puis devant, ou après, Mondelin a fait, mais pour vous. Donc ça, c'est la grande leçon qu'il faut tirer dans ça. Sauf moi, j'attends que le gouvernement se saisisse du dossier et l'analyse pour le produire tel effet de droit qu'il est capable de faire. On va parler là, c'est comme c'est président, assassin naturel, homme de loi. 90% de députés et sénateurs, tu es toujours des nègres armés qui avaient fait le travail. Oui. Et m'quoi yo di nan kwa des bouquets ou te gen moun ki te proche ou nan question ça ou nan question nèg ki vinn gros chef bandi, est-ce qu'on ka clarifier position ça? Ou poser question nan moun gars, j'aime tellement bien besoin répondre question ça bien et m'vle wè ki boye gardez nous m'ka répondre pi fò sénateur fi député toujours gen nèg armé k'ap ba sécurité civil armé et les nèg ont fait campagne autour gen civil armé. Donc yo di tout sénateur, tout candidat au Sénat, y compris ou même tout, ou te gen nèg armé, pa gen moun ki di ça, pa gen moun ki di ça, non ou même pa gen moun, non m'abdou gari m'se seul moun ki pa ram nan sa kon ka moun ou ya d'abord m'pral gen 50 ans à 50 ans m'di c'est l'âge pour m'rêter Jean-Renel Sénatus. J'ai été professeur, je suis professeur. Comme professeur, mal dans bagaille les politiques, l'homme saute en vent pendant que j'étais grandier. M'pa bon m'dit m'pa la kaye moi, m'pa même si madame m'a décidé de prendre pantalon, m'a balil, m'pa prendre l'élection avec elle. Parce que m'pa de vle ouais bagaille ça. M'vin rive ici là là comme commissaire du gouvernement, moun yo di m'pral faire sénateur. Et faut m'di merci, yo faire sénateur quoi. Yo gen gwa mer parce que ça va prendre des moyens, yo pas comprendre comment Sénat fonctionne. Ah oui, ça sonne bien. Yo pense c'est commissaire gouvernement qui a couru pour comme. Ah bah l'autre bois pour faire son faire gen 16 moun ou besoin. Maintenant Gary, professeur que m'y est depuis 22 ans, on était dans philo au centre de formation moderne, on gen l'école PAM. M'a enseigné moun qui est l'Institut supérieur de formation professionnelle dans 2e avenue Bolos numéro 14. C'est ça me fait pour toute la vie jusqu'à 49 ans. Donc, ou pas. Mais dit, non, attendez, je ne vais pas répondre à une question qui t'a dit. Maintenant, l'homme qui est sénateur de la République, l'homme commissaire, moi, il est Mario André Sol comme directeur général de la police. Il dit Mario, je suis commissaire du gouvernement de Port-au-Prince. J'ai besoin d'une équipe de 13 hommes pour me faire travailler moi dans nuit comme la journée. Et ou même, ou t'es témoin. Témoin, oui. Témoin, ça dit tout à l'heure. Oui, témoin. Dans nuit comme la journée, dans week-end comme dans jour de semaine. Moi dans la rue avec nèg moi yo m'a metté les points sur les i, m'a fait vagabond faire respect dans zone non dans ville là. Maintenant l'homme élu sénateur de la République, j'ai appelé Godson Aurelius. On dit je suis sénateur de la République. J'ai besoin d'agents de police pour ma sécurité. Godson voyait monsieur Mio bon moi. Tout nèg ou EDM, c'est policier policiers
qui gagne une lettre que aurait les feuilles de route ou bien laisser passer yo baillon pour venir dans sécurité Jean-Renel Sédatus. Maintenant, moi respecter institution et c'est ça qui pourrait le permettre. Le moi même moi gagne des policiers derrière, m'arrive dans le Sénat, puis, dans la Chambre des députés, dans l'Assemblée nationale. Je continue. M'gade moi, on paquet nègre avec Zam Melongue. Civil. Amen. Civil. Et on va le mettre dans un zintou même. Oh, excusez-moi, papa. Dans qu'ils ont mis, t'es gagné un bagaille entre la saline, côté gagné un équerre inspecteur Beauvoir. Beauvoir. Qui t'a fait un travail, il a déplacé. Et c'est une bagaille qui va faire un nègre, t'es un problème ensemble avec moi. L'homme apprend le travail la fête et que vous cassez, vous demandez fort, Godson comme président de la commission de justice, fort monsieur a tourné dans le de Boussal la paix. Haïti débat. Moi-même, à partir de ce constat fait, on dit qu'il y a normal pour toutes les âmes ça y est là. Et après l'élection, côté y aller. On dit qui est ce monde? Interview. Oui, on dit est-ce que député ça y est, sénateur ça y est, après mettre les âmes ça qui est dans le monde. Et ça va le pousser à faire un texte de loi. Mais le texte de loi, attendez bien. Deuxième texte. Oui, deuxième texte de loi. Mais 14. Mais 14 textes de loi. Mais 14. Texte là, il est proposition de loi relative à la fabrication, la commercialisation, la détention, le contrôle et le port d'armes à feu sur le territoire national. T'as l'offre, ben, ils n'ont pas dit qu'on est dans ma fiote. Non, je ne sais pas où on est. Comme on est. C'est parce que la loi m'a déposé en 2017. Loi a commencé à voter en 2018, juillet 2018. Loi a gagné à peine 64 articles. Voilà, 65 articles. Well, 65 articles. Loi prend une année pour le voter dans le Sénat. Et pour le voter, c'est 10 m'a bloqué toute séance pour loi passer. Même m'a dit au sénateur député ou a couru en bas, ne capture. Vous avez intérêt pour ta. Mais c'est là que je comprends que dans ça, je prends des réactions, des bagages qui sont graves. Je ne sais pas comment on est là. Oui, parce que parce qu'il y a des armes, des munitions, et qu'il y a des gangs. Maintenant, la loi prend une année pour le voter. Mais elle arrive à voter en date du 10 juillet 2019. Et après? La loi allait dans la Chambre des députés, elle est là. Voilà. Scoop. Maintenant, c'est pour vous dire. Moi-même, le premier travail que je fais dans la vie, c'est de faire l'école. Métier manuel, même ferraillage. Après, un jeune garçon m'a refait et j'ai près de 5200 déjà qui boussent. Attendez-moi là, bien sûr. Je m'investis, je fais 100 000 gouttes dans le cabinet, en forme de sénateur. Je retire 25 000 gouttes, mettez, et jusqu'à présent, je suis de 1 million de gouttes. Vous pensez que des régimes là, je ne sais pas si des régimes. Je dis ça, c'est de manière ironique. Yeah. Ou presque, comme sénateur de la République. Parce que vous ne pouvez pas ça, dire là. Hein? Il va connaître bien là, mon cher. Il va connaître, non? Moi, ça me joue. Regardez, je même connaître ce sont. Il va pas connaître. Il va pas connaître. Mais pas connaître, pas faute, yo. Même tout le monde, bon, je ne pas connaître. Moi, j'ai Yann Pierre-Paul. Qui c'est maman nous. Oui. Dans le micro. Oui. Maman nous, dans le domaine ça. Qui c'est. M'entendez qu'elle fait une analyse, mais c'est sur une question urgence médicale. Mais tu sais que j'ai déposé une loi sur l'urgence médicale au niveau du Sénat de la République. Il n'y a pas connu. Il n'y a pas connu. Il n'y a pas connu. Je déposé parce que maman et Valérie Numa manqué mon oui pour question ça. Maman et Woody Woodboy mouri dans bagay ça. Mais j'ai un petit élément que Peterson Jefferson Casseus au niveau de TNH. Les mouillants dans l'hôpital général pour manque de soins, moi dit faut que moi réfléchisse sur une loi sur l'urgence médicale obligatoire. Haïti. Texte qui est vraiment bien charpenté. Mais pays à pas connaître. Ça qui fait pays à pas connaître, c'est parce que manquer. Non, j'en sais n'a rien à tout. Attention, j'en sais n'a rien à tout. Moun qui a monopole parole, c'est moun qui a monopole magouille. Qui a fait magouille, mais crasé et brisé. Crasé et brisé. Crasé et brisé, mais son problème. Parce que mais c'est l'autre bagaille. L'activité populaire aussi, qui a fait la violence. Bon, l'autre bagaille encore, Gary. M'appelle lit un livre que me conseille tout le monde qui a attendu, alors qui a attendu, lit si vous êtes capable. C'est un livre qui relève Le barbare imaginaire de Laïnec Urbon. Professeur des études scientifiques à l'Université de Paris. Laïnec Urbon a parlé de aux questions de peinture naïve. Qui s'allie, c'est que nous-mêmes haïtiens, assez souvent, nous prenons le temps pour nous capitaliser sur ça négatif. Par exemple, je dis à Audi,
Sénat pas bon même. Mais al lancer dans un jouval. Gardez pour les sénateurs, yo grain pas grain. Comment yo te vinn dans séance? Combien absence chaque sénateur gagne? Production. Al gardez combien texte de loi chaque sénateur dépose. Al gardez combien séance en assemblée que le participe. Combien séance en commission le bâtiment. Combien séance, combien commission t'a dirigé. Gardez ça et puis font évaluation parce que l'on veut ou non. Nous avons pris du temps pour nous détruire tout ça. Nous avons détruit l'armée, les forces armées. Parce que micro, nous avons trouvé des micros naïfs. Exact. Même Jean Peinture, et là, il n'y a que moi parler, il a parlé de Malécon et Saint-Domingue. Il y a un haïtien qui a vendu un tableau, et tableau, il a exposé à ce tableau qui a montré misère, monde en Haïti. Lui-même, pas de diable, il n'y a pas connu, c'est un tableau qui a vendu. Mais ça l'a vendu, non, son bagage qui a vendu nous très mal. Nous avons des micros, nous avons des plumes, nous avons des artistes pètes qui a vendu nous très mal. C'est même gens même si on a vendu à Haïti sur les réseaux sociaux. Très mal. Est-ce que vous comprenez? C'est peut-être maintenant, à nous toute la journée. C'est un travail de mentalité, et j'en dis là, c'est reconstruire notre imaginaire collectif autour de PIA qui va permettre au moins de nous avancer. Sénateur. Oui. L'offre. Tant des régimes sanctions, etc., nous tenons groupe politique, n'est qui t'a mené visiblement, ouais, même dit visiblement, et dossier de discussion pour Jonathan Tlan, n'est deux n'est qui t'es devant, c'est oui avec et Lambert. Rapidement, sanctions, hein? Qui j'en nous réagit, nous-mêmes, dans le groupe là, parce que. Belle question. Oui, parce que, en fait, il y a plusieurs bails qui vivent. Un, nous ne pouvons pas continuer encore avec eux parce que pour le moment, ils ne sont pas capables de continuer à négocier pour nous. Et deuxièmement, le régime sanctionnel impacte tout sur nous-mêmes qui ont une position qui est à négocier rapidement, qui a affaibli. Ça veut dire étrangers à tout capable d'affaiblir nous parce que nous avons deux trois bails. Nous avons deux coups. Nous prenons expliquez du coup. Ça passe. Nous prenons deux coups. Premier coup, nous prenons, c'est le 25 octobre, nous décider pour nous monter compromis historique là. Nous faisons une déclaration sortie, une déclaration conjointe. Côté nous toutes, c'est d'abord, c'est une œuvre que moi-même estimé qui est historique vraie dans la mesure où nous-mêmes haïtiens, nous allons gagner pratique, travail ensemble. Surtout, les gens ont un petit problème avec tel monde. C'est gros causé. Là, nous arrivons dans compromis. Nous montons, c'est deux mondes qui sautent dans des horizons divers dans la politique là. Nous chita, nous dit, on en fait route. Le 28, premier coup nous prenons, Éric Jean-Baptiste assassiné quelques heures après la tenue d'une rencontre que nous avons gagnée ensemble en dans compromis. Ça, c'est le premier coup. Ça a démobilisé nous pendant près de 11 semaines. Il dit non, attention, sénateur, sénatus. Attention, Clarence Renoir. Attention, ou même Alexandre Rony. Professeur Dessim. Et l'autre, on y a. Veillez quoi, nous. Mais M. Moui, nous ne savons pas comment le Moui, il faut faire attention. Ça, c'est le premier coup que nous recevons. Deuxième coup que nous recevons, c'est lorsque le 4 novembre, nous prenons gagner annonce publique que l'ambassade fait pour dire que deux M. Sayo sont sanctionnés. Premier comportement à analyser, c'est comment M. Sayo peut continuer la bataille politiquement, comment nous-mêmes nous continuons à collaborer avec eux avec de sacs aussi lourds sous nous. Il faut me dire qu'on preuve d'éthique et de probité qui fait de la part de ces deux hommes, sénateur Lambert et sénateur La Tortue. Une fois, yo, ouais, sanction au public. Bon, pour répéter parole, sénateur Lambert même, il a écrit sur notre groupe pour nous dire, monsieur, dame, avec ces sanctions prononcées par les ambassades ou les pays amis d'Haïti, je ne suis plus en odeur de cette thé pour continuer travail là ensemble avec nous. Haïti. Ma prend écarté pour mal défendre tête moins devant un tribunal. Et c'est même mot ça que sénateur La Tortue aussi t'est prononcé pour le dire lui-même je connais que à part avec sanction yo la prend distance li pour lui-même à défendre tête li dans ça yo dit là-dedans moi-même excusez-moi sénateur m'attend pour sénateur La Tortue.
Stanley Lucas, bonsoir, son plaisir pour nous parler avec vous à soir dans l'occasion 17 mois depuis l'assassinat de Jovenel Moïse. Comment nous y est? Moi, salut Ismaël, et moi, salut Juno, moi, salut Guéry, ensemble à tout auditeur. Lui, quand il a la parole. Nous, là, on a goûté. Nous, des grands corona, nous frappons la terre, mais en même temps, tout, nous obligés de faire attention parce que, bon, semble les oligarques, qui ont un mais ça fusil. Donc, nous prenons précaution pour ça. Quand il n'y a pas rien facile, mais au fusil. Anyway. Ok, d'accord. Avant même nous entrer dans ça, c'est le cas. Alors, ou toujours dit tout, ou fait un peu de formation pour des mondes politiques dans le pays, et certainement quand tu fais partie de l'administration publique là, qui sont dit tout là, ouais, et premier ministre là, mandé tout ministre, tout directeur général, ou bien grand commis l'État pour le déplacer, il faut lui informer. Ça dit tout. Au niveau de la sécurité nationale, et qu'on laisse grainer dans l'État depuis à peu près 30 ans. Mm-hmm. Lorsqu'on est haut fonctionnaire de l'État, il y a des autorisations pour mander. Par exemple, un directeur général de la police ou bien un commandant-chef de l'armée, il n'y a pas qu'à directeur général de la police, il n'y a pas qu'à voyager s'il n'y a pas deux autorités civiles, ministère de la Justice qui accompagnent, et s'il n'y a pas d'autorisation, ministre de la Justice et CSPN. Même Jean-Tout, commandant-chef là, mais pas qu'à voyager, à rencontrer Blanc, s'il pas accompagné de deux autorités civiles du ministère de la Défense et s'il pas gain autorisation. Là, dans Washington, côté Mia, si on emploie le gouvernement américain, entraînant n'importe qui ambassade, sans pas gain autorisation, ou bien sans pas emploi, accompagné de deux mounes que l'État américain désigné pour accompagner la réunion, non seulement il a révoqué le. Yo pral enquêter sous lit avec possibilité que son trait cap ba information à des gouvernements étrangers. Mm-hmm. Donc nous même dans pays à cause de monsieur Anacopoulos depuis 13 ans on laissé grainer en dans l'État. La politique de sécurité nationale de la République d'Haïti n'existe pas. Littéralement pas existé que n'importe qui blanc entre dans n'importe qui institution l'État sans autorisation autorité l'État. Pas aucun employé l'État. Chef de service de l'État, directeur, directeur général, ministre de l'État, qui doit rencontrer un blanc sans pas une autorisation spéciale. C'est comme ça, blanc fait la caille. Et, bagaille là tellement grave, dans le cas assassinat président Jovenel Moïse, son accord de sécurité que nous signons avec les États-Unis, entre secrétaire d'État Madeleine Albright et président Préval, pour que la police collabore avec Dié pour faire un bon bagage, pour casser rien d'autre dealer. Bon secteur corrompu aux États-Unis qui utilisait à quoi ça pour venir tuer le président nous le 7 juillet 2021. Et jusqu'à présent, Américains ont beaucoup de nous explications. Comment fait que, à cause d'un accord de sécurité, ils ont infiltré la police nous, ils ont paralysé la police nous le 7 juillet, qui permettent 18 Colombiens à tuer le président Nakaï nous, Colombiens passer par Saint-Domingue. Donc, culture de sécurité nationale, ça, qui doit exister dans le pays, côté bon pain, la gué. Blanc, pas dans la Kali, non? Blanc, pas dans la Kali, là, dans Washington, pas bon emploi, et l'État américain qui entre dans l'ambassade sans autorisation et sans être accompagné, parce que son menace de sécurité nationale qui est liée pour les États-Unis. Blanc mettait des structures pour protéger l'État. Je vous le dis, il faut nous mettre un point final dans l'anarcho-populis qui a affaibli l'État nous depuis 35 ans. Donc pour même c'est n'importe qui institution l'État sans autorisation des autorités supérieures de l'État qui question que policier a entré dans l'ambassade sans qu'elle pas gain autorisation des supérieurs hiérarchiques et li pas ca accompagner son menace de sécurité nationale qu'il y a pour nous. Donc pour même annonce ça premier ministre lui-même lui faire décision ça li normal, c'est une très bonne décision pour même. Décision correcte, même si le Premier ministre est impliqué dans tout le président, il y a une question pour répondre. Le Premier ministre est pour le marché. Décision sont décisions qui sont correctes. Alors, il y a des gens qui estiment parfois ça qu'on retarde l'activité officielle, comme si il y a un petit temps pour l'arrivée dans le primatif pour la jeune Premier ministre. Là. Bon, là, ça faut une structure dans l'État. Parce que dans l'État américain, il y a une structure qui permet d'accélérer les bagages. Donc, dans l'État panouan, il faut jouer un jour d'IA, aucun employé l'État haïtien pas qu'à entrer dans l'ambassade sans autorisation.
aucun employé l'État américain, l'État haïtien, pas qu'à entrer dans l'ambassade sans autorisation spéciale ni à parler avec des sections politiques, ambassade, même Jean-Tour, ou personnel de l'État qui a voyagé, faut qu'on ait qui côté au calé, parce que son menace de sécurité nationale qui est liée pour nous. Alors, qui sont vous voulez dire? C'est dit, ça qui disparaît dans l'État depuis 86 que nous devons restaurer. Alors, l'on dit, aucun responsable l'État pas doué, pas rentrer avec facilité dans l'ambassade. Qui sont vous voulez dire? Si nous avons un visa avant même de venir dans le pouvoir, si nous arrivons à renouveler le visa ou bien si nous avons une résidence, qui sont vous voulez dire même? Faut l'État au courant. Son employé l'État, vous êtes une menace de sécurité nationale si vous ne pouvez pas faire. Vous pouvez vendre information qui va compromettre l'État. Même Jean-Tour, aucun directeur général, aucun ministre, pas qu'à rencontrer des ambassadeurs, si le ministère des Affaires étrangères au courant, si primature la présidence pas par autorisation. Blanc pas qu'à rentrer dans l'institution de l'État comme ça. Nous même quand blanc, nous pas qu'à rentrer dans l'institution de l'État comme ça. Alors, mais c'est la culture démocratique. Mais pas bon ici, nous, chaque jour, il y a des ambassadeurs qui rendent visite de courtoisie avec des directeurs généraux en d'un pays. Et c'est toujours une satisfaction liée pour Mounio. Li pa ka fèt sans ministère des affaires étrangères pas autorisé et ministère affaires étrangères les recevoir requête là faut l'informer primature avec la présidence pour connaître s'il d'accord s'il pas d'accord. Ça son compréhension que gagne ou bien c'est ça qui fait. C'est comme ça le doyer ça m'a doulan le pas comme ça depuis 35 ans. Depuis anako populiste yo prend contrôle l'état en 90 bagay yo crasé men. Pas gen forme, pas gen manière, pas gen souveraineté nationale et pour ça n'a prend courir men. Donc ça veut dire décision à Ariel Henry. N'importe blanc, gen doit amender à rencontrer à n'importe qui moun dans l'état, c'est rôle li en tant que blanc, en tant qu'ambassadeur, en tant que consul, chargé d'affaires. Mais pour le faire li gon façon formelle, faut écrire le ministère des Affaires étrangères. Ministère des Affaires étrangères a informé la présidence ou bien la primature pour dire que mais tel blanc besoin rencontrer tel moun dans l'état. Il y a bonne autorisation pour rencontrer l'état décider qui moun qui doit avec ou l'a parler avec blanc ambassade là. Alors, moment de ça, mais c'est toujours il y a des postes en dans pays là comme si malgré président fait arrêter présidentiel là, li nommé Mounio, mais tout est en blanc pour venir nouer en pile monde comme si ouais Mounio senti pour chef, m'a regardé la douane là par exemple. Et chez chaque jour article avec écrit sous lui depuis ambassadeur Louéli comme si ambassadeur déplacé là la Louéli, il gon bagaille qui sorti et c'est toujours une fierté. Comme mon bagaille, mais ça culture à doué. En dans l'état, l'on parler de souveraineté nationale et l'état qui fonctionnait. Depuis qu'on fonctionnait l'État, qu'elle rencontre un blanc, sans autorisation à affaires étrangères, la présidence et la primature, ou révoquer automatiquement. Tout le monde a pris un meilleur même. Mais pour nous faire ça, on, comme si faut président et premier ministre a gagné dans la figure tout. Qui j'en fais pays a gagné dans la figure toujours, même. L'emdi nena figure pas dans le sens parce que le monde ou possède tout sens, you know? A dit, faut que caractère, faut que courage. Il y a haïtien qui a gardé blanc avec oligarque manger, il y a monde comme ça toujours dans pays. OK. En tout cas, et les blancs viennent reprendre forme dans la respecte tout, il connaît comme ça bagaille doit fait. 17 mois après l'assassinat de Jovenel Moïse, et jusqu'à présent, nous capable de dire son dossier qui a marché à pas de tortue et premier juge qui sous dossier il tendait déjà en pile monde, mais peut-être ça qui était plus dévoilé c'est confrontation que t'es faite avec Jean Laguel civil, Dimitri Hera, Léon Charles et Jodia noue avocat partie civile là, n'a parlé de Martine Moïse avec toute petite Léo, il a récusé juge Jean-Bruce Voltaire. Bon, juge pas dû accepter dossier depuis les Bernard Saint-Ville. D'ailleurs Bernard Saint-Ville pas dû mettre juge sous dossier. Depuis au fin non même te font interview avec on t'explique pour qui ça, gain conflit d'intérêt. Moun qui mette juge là dans système judiciaire son ministre justice unité qui est lié. Gain nèg unité qui participer dans tout président automatiquement gain conflit d'intérêt. Alors vous semblez en essayer de présumer assassin jusqu'à présent comme si l'or affirmatif comme ça, il dérangeait auditeur mieux moi même. OK. Auditeur a metté et adapté à sa mabdia. Donc bagaille principale là c'est que gain conflit d'intérêt juge n'a pas de droit jambe sous dossier. Donc nous sommes perdus un paquet de temps là parce que juge n'a pas de droit sous dossier. Bernard Saint-Ville comme ça.
Et le juge la font erreur qui trahit tête li. Gen 5 informations que le juge la ba un journaliste qu'il publie sur Twitter. Le juge dit comme ça que li interroge li ba journaliste information. Li interroge séparément et Léon Charles. Mm-hmm. Li interroge séparément Dimitri Ra. Et puis li wè que gen différence entre sa nèg yo a dit li pral obligé faire confrontation. Après ça, juge ba on l'autre info, quatrième information, mais qui est-ce qui va l'interviewer dans fin mois de janvier, dans début mois de janvier, mais qui est-ce qui va l'interviewer dans début mois et dans fin mois de décembre. Les juges ont fait ça, là, ba information publique sous enquête là. Code d'instruction criminelle là dit dans 8 articles là-dedans, l'instruction est secrète. Donc les juges là commencent à ba information sous nèg yo k'ap ba menti, là pour orienter politiquement enquête là. Ou qu'étan ouais. Étant donné qu'elle viole aspect juridique là qu'elle connaît, liba information ça qui vient public. Donc la font manipulation publique de l'information qui doit être secret. Donc automatiquement, lorsqu'on monde qui réfléchit ou pose tête aux questions, pour qui ça l'a fait ça? Automatiquement ouais objectif politique là. Objectif politique là c'est négnité qui mettait lieu. Monsieur pral prendre deux trois monde qu'elle sacrifier et puis tout gros criminel qui touye président, li innocenté dans ordonnance définitive qu'elle a fait. C'est pour ça. Et position que avocat première dame n'en prend et famille Moïse là correct mandé juge l'en déporter ben assez.